Je vais essayer d'aborder ça parce que c'est pas une affaire facile. Et je me suis demandé comment j'allais, par quel bout j'allais prendre la chose. Et c'est, je pense, en lien avec Étienne Klein, qu'on vient d'entendre, que j'ai envie finalement de faire le pont, hein, de continuer. À partir de l'idée, donc je le cite, « Si on veut connaître la nature en profondeur, il faut commencer par admettre le caractère inessentiel des propriétés sensibles que possèdent les choses. » Vous entendez que c'est directement un prolongement de ce qu'il vient d'essayer d'amener, c'est-à-dire d'abandonner finalement la logique aristotélicienne, c'est-à-dire le bon sens, hein, pour passer justement à la logique galiléenne, hein, et newtonienne. Bon. Alors, ce n'est pas une chose facile, puisque on voit bien que dans ce qu'il nous a dit aussi, ce qui peut surprendre, c'est que malgré une avancée scientifique, des résultats, malgré le fait qu'on est dans la logique galiléenne, hein, qu'on y est, eh bien, la tentation est toujours de revenir à la logique aristotélicienne. Ça pose une question que je trouve vraiment importante, de se rendre compte déjà, ça veut dire quoi ? Alors, moi, j'avais envie de comparer ça à ce qui se passe, et ça reprend ce que disait Goran Amananti tout à l'heure, à propos du brouillard psychique, hein, cette expression que je trouve très, très imagée, très parlante. C'est-à-dire qu'on est toujours branché sur soi, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de soi-même qu'on transporte avec soi. Hein. Comme une espèce d'obscuration de conscience, si on peut dire, qui nous déconnecte du réel, de la réalité, etc. Bon, ça, c'est, j'allais dire, le plus commun dénominateur de notre quotidien, en gros. Bon. Et rares sont les moments où on est coupé de ça, en fait, et où on voit autrement, où on perçoit autrement, où on prend, où on conscientise autrement. Bon. Alors, il y a quand même, dans ce qu'a dit Étienne Klein, quelque chose qui a à voir avec cette espèce de fichu bon sens qui ne nous lâche pas, en fait, hein, qui est vraiment du côté de l'observation des faits selon notre monde sensible, hein, et où l'imaginaire, finalement, est au devant de la scène. Hein. J'ai envie de le dire comme ça, c'est un tout petit peu résumé pour dire on projette. Voilà, on projette. C'est-à-dire qu'il y a une projection, il y a un fantasme, évidemment, hein, qui est tout le temps présent, enfin, la plupart du temps, et qui écrante le réel. Sinon, on ne pourrait pas vivre. Bon, voilà, on est constamment écranté, enfin, le réel est constamment écranté par notre petite affaire, enfin notre affaire fantasmatique, à notre corps défendant, et voilà. Et ça, ça fait partie, bien sûr, du brouillage. Ce fantasme est plus ou moins consistant, selon les structures, et plus ou moins, et nous met, voilà, plus ou moins en continuité avec le réel, d'accord ? Avec, je dirais, un écrantage plus ou moins consistant, c'est-à-dire que l'écran est plus ou moins opaque, on va dire. Hein. Bon, c'est des images, mais pour parler de Virginia Woolf, je trouve que c'est intéressant de le prendre comme ça, parce que, y compris par rapport à la cure, où on voit, par exemple, en termes de travail du psychanalyste aux prises avec cette dimension, on peut dire que le phénomène du transfert, est une actualisation, en fait, de ce brouillage, de ce brouillard psychique. Tout d'un coup, quelque chose s'arrête d'aller au-delà, et on voit bien que tout d'un coup le patient se branche sur un tableau, sur la couleur d'un vêtement, sur l'intonation de la voix, et où la présence imaginaire, la consistance de l'image est vraiment très forte et vient s'interposer entre quoi et quoi ? Mais entre eux finalement, soi et l'autre, mais au sens où ce qui est convoqué des contenus inconscients et qui pourrait advenir et stopper. Voilà. Il y a un arrêt. Et je dirais un arrêt sur image, justement. Hein. Donc, en fait, ce qu'il y a au-delà, ce qui n'est pas visible, c'est partie de l'invu, hein, ou de l'insu, si vous voulez, qui pourrait advenir, s'arrête. Hein, au moment où il y a actualisation du transfert.
Parce que ce qui vient finalement faire écran là de manière tout à fait actualisée et tout à fait présente, consistante, voilà, c'est ça, c'est soudain coup ce bouchon imaginaire, voilà, qui vient là faire obstacle, si vous voulez, hein, et qu'il est parfois assez difficile de lever. Hein. Comme on dit, on lève tout d'un coup, on lève cet écran pour pouvoir accéder à autre chose. Donc à des contenus, hein, voilà, à des contenus. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que Virginia Woolf, écrivain mélancolique, avait donc des moments comme ça, ce qu'elle appelait les instants de vie. Hein, je vais y revenir parce que je vais essayer de me brancher sur mon texte. Là, je fais un petit peu une entrée en matière pour essayer de faire entendre comment j'aborde la question de Virginia Woolf et de sa mélancolie, où en fait, il y a chez elle quelque chose de très singulier par rapport à la mélancolie en général, où elle parvient par une sorte de tour de force inexpliqué, bon, voilà, qui fait toute sa singularité, à s'extraire justement de la soupe, on va dire, de la soupe imaginaire. Bon. Elle y baigne, hein, elle y est bien sûr très souvent, et il y a des moments où elle s'en extrait, et c'est un véritable tour de force, car à un moment donné, elle arrive à toucher, et c'est là où je trouve que c'est très singulier, quelque chose de la structure. Voilà. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on s'extrait justement de cet écran, quand cet écran se lève? Il y a des éléments qui tout d'un coup sont accessibles, on y a accès. Hein, alors bon, je parle de levée du transfert ou je parle de tout d'un coup une interprétation, tout d'un coup quelque chose qui vient souder des éléments entre eux qui ne l'étaient pas et crée une équation nouvelle, hein, qui finalement est opérante dans la cure, puisque à partir d'une interprétation, il y a un champ qui s'ouvre, hein, pour le patient. Voilà. Donc, j'appelle ça une levée de l'écran, si on peut dire. Je continue à poursuivre cette image, où tout d'un coup, l'invisible, enfin quelque chose de l'invu, apparaît. Voilà, apparaît, et ce qui apparaît, du coup, c'est la structure. C'est un effet de structure. On a accès à ça. Hein. Bon, je ne reviens pas sur les formations de l'inconscient, peut-être que bon, le public qui n'est pas averti a entendu parler de ce qu'on appelle les formations de l'inconscient, qui nous donnent accès justement à la structure, hein, c'est-à-dire le symptôme, le rêve, le lapsus, hein, voilà, pour ne citer que ça, qui nous donnent accès justement à ce à quoi en général on n'a pas accès. Hein, et qui tout à coup font émergence à un moment donné et qui nous disent qu'il y a un ailleurs, qu'il y a de l'ailleurs et qu'il y a de l'insu. Bien, voilà. Ça, c'est ma façon d'aborder Virginia Woolf. Quelques éléments supplémentaires importants de sa biographie. Elle a eu affaire à des deuils successifs entre sa 13e et sa 22e année, hein, où elle a perdu d'abord sa mère, ensuite son père, ensuite son frère et ensuite sa demi-sœur. Donc, c'est une succession à peu près tous les 2 ou 3 ans. Elle perd comme ça un élément de sa famille fortement investi par elle. Voilà. Et elle réagit diversement à ses deuils. Hein, et elle a des épisodes délirants. Elle a des épisodes délirants après la mort de sa mère. Elle a des épisodes délirants après la mort de son père. Elle entend chanter en grec au pied de sa chambre dans un buisson. Voilà, bon, ça c'est un exemple, et elle voit aussi apparaître un homme au pied de son lit. Bon, c'est des épisodes hallucinatoires qui ne durent pas, mais qui sont quand même à noter, puisqu'elle en a plusieurs après les deuils. Hein, après les deuils, voilà. Et quand elle ne délire pas, elle est en dépression grave, c'est-à-dire qu'elle est dans sa chambre. D'ailleurs, elle sera hospitalisée à un moment donné, elle sera éloignée de la demeure familiale pendant quelques mois. Où elle est prostrée dans sa chambre, la plupart du temps, abattue, souffrant physiquement et incapable de penser. Voilà. Elle est dans un état de prostration tel qu'elle ne peut pas se lever, et elle est comme figée, c'est-à-dire comme morte, en fait, au fond de son lit. Voilà. Et c'est des états qui durent, hein, et qui peuvent durer jusqu'à 3 semaines. Alors, en 41, bon, on sait sans doute qu'elle va se suicider en allant se noyer dans la rivière Ouse, O-U-S-E. J'ai jamais pu su prononcer
cette rivière-là. Il y a un très joli film de Stephen Daldry qui s'appelle The Hours, qui peut-être que vous avez vu, qui est sorti il y a une dizaine d'années, où il y a, comment dire, inspiré de Mrs. Dalloway, un roman qu'elle a écrit, où on voit, ça commence, le film commence par Virginia Woolf, qui est interprétée par Nicole Kidman, qui leste ses poches de pierre et s'approche de la rivière et va pénétrer les flots jusqu'à se noyer. Voilà. L'eau est récurrente dans son œuvre, hein. L'eau est un thème absolument obsessionnel dans beaucoup de ses romans. Hein. L'eau, comment dire, le dégel de la Tamise dans Orlando, enfin bon, je ne vais pas les citer parce que c'est pas l'objet, mais l'élément liquide en fait importe sur un point qui est qu'elle a l'idée que si elle descend, c'est-à-dire si elle pénètre la surface de l'eau et si elle descend suffisamment profond, elle aura accès, voilà, elle aura accès à une vérité à laquelle elle ne peut pas avoir accès autrement. Hein. Donc elle dit, il faut que je descende en profondeur, que je descende là, et là j'aurai accès à quelque chose. Bon. Et donc c'est toujours une eau troublée, c'est toujours une eau opaque, et c'est très intéressant parce que si on compare cette surface à la surface de l'œil, parce qu'il y a aussi beaucoup d'évocations de regard dans son œuvre, et le regard est lui-même troublé, opaque, hein. On a à peu près une surface, si vous voulez, qui est du même ordre, en fait, et qui concerne, j'ai beaucoup travaillé la question, alors je ne peux pas revenir sur ce développement, ni vous citer tous les exemples qui convergent vers ce point, mais disons que le regard de sa mère a été particulier dans son enfance. Ça, c'est aussi un repère biographique, puisque sa mère, la belle Julia Stephen, enfin Stephen, qui est le nom de son second mariage, elle a été mariée une première fois avec un jeune homme fort beau qui s'appelait Herbert Duckworth. Et ce jeune homme est mort quand elle avait 24 ans, ils étaient mariés et ils avaient déjà 3 enfants. Donc, la mère de Virginia Woolf, ayant été, dévastée par ce deuil, dévastée très très profondément, puisqu'elle était dans un amour immense pour ce premier mari, dont elle n'a jamais fait le deuil. Voilà, c'est un point important, puisque, après cela, elle a refusé toutes les propositions de mariage, parce que c'était une veuve courtisée. À l'époque, elle avait 3 enfants, donc bon, elle avait des prétendants qui voulaient sa protection. Elle était très approchée, elle était appréciée. Hein, c'était une femme, je dirais, de devoir, extrêmement, travailleuse. Elle est morte à 48 ans d'une grippe. Et elle a épousé donc en seconde noce Leslie Stephen, un érudit, un biographe assez célèbre en Angleterre. Qui était un travailleur acharné. Il avait commencé ce qu'il appelait son dictionnaire de biographie nationale, où son but était de recenser tous les grands hommes d'Angleterre dans un dictionnaire réunissant tous les grands hommes, voilà, dans tous les registres, quels qu'ils soient. Bon. Donc il s'est à peu près tué à la tâche, hein. Il a commencé à rédiger son dictionnaire de biographie nationale, et il a embarqué toute sa famille dans cette affaire, puisqu'il était consacré à son travail quasiment nuit et jour, la maison vivait, je dirais, au rythme de ses états d'âme, de ses humeurs, et il avait élu Julia Stephen, qu'il avait, approché pendant au moins 7 ans, et qui avait finalement accepté de l'épouser, lui-même étant veuf, voilà, donc seconde noce, et ils ont eu 4 enfants ensemble après. Et donc il avait en fait élu sa femme comme une espèce de personne absolument idéalisée, envers laquelle il nourrissait une relation de fils amer, on pourrait dire, volontiers. Géniard, plaintif, demandant à ce qu'elle soit toujours à son chevet, et Julia Stephen jouant le jeu, elle-même au service de tous les malades du quartier, étant dans les bonnes œuvres du matin au soir, étant finalement dans une posture où elle-même avait de quoi, on va dire, soulager le malheur d'autrui. Voilà. Elle s'était mise, si vous voulez, dans une posture de dame
consacré aux bonnes œuvres, et travaillant aussi sans arrêt, élevant ses enfants, manageant sa maisonnée, si on peut dire. Voilà. Énormément de relations amicales, mais toujours en position d'aide. Toujours. Ça, c'est important, puisque, si vous voulez, elle était celle, en fait, qui peut. Celle qui peut pour l'autre, voilà, munie de ce qu'il faut, on va dire. Bon. Et quand même, faisant passer auprès de ses enfants l'idée que son mari était, je dirais, impuissant. Voilà. C'est-à-dire que c'est elle qui avait de quoi, hein, dans la dynamique, si vous voulez, phallique entre un homme et une femme, je ne vais pas m'attarder sur ce point, mais disons qu'elle n'était pas dans une position où elle mettait son mari comme celui qui lui donne, hein, ou qui aurait quelque chose à lui donner, comme on dit, comme un phallophore investi positivement, on va dire, hein, mais comme celui qui était infantilisé complètement et toujours en demande de quelque chose venant d'elle, ce qu'elle ne manquait jamais de donner. Hein, jamais de donner, voilà. Et elle a fait passer auprès de ses enfants à la fois l'idée du grand homme, elle-même était assez fascinée par l'image des grands hommes. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui l'avait convaincu d'épouser Leslie Stephen à un moment donné. Elle a été déçue inconsciemment, d'ailleurs comme Virginia a été déçue par son père, elle en a beaucoup voulu à son père, d'avoir ce qu'elle appelle tué sa mère, comme si son père, à coup de ses demandes insatiables, il était insatiable en fait, voilà, c'est vraiment le terme. Et puis quand sa femme est morte, quand Julia est morte à 48 ans donc, il a jeté son dévolu, il a reporté son dévolu sur sa belle-fille Stella, qui l'a littéralement épuisé, exactement comme il avait fait avec sa femme, et d'ailleurs, ça, c'est allé très loin, parce que Stella a prétendu se marier à un moment donné, elle a trouvé un jeune homme qui était tout à fait amoureux d'elle, et il s'est opposé à ce mariage. Il voulait absolument qu'aucune des filles de la maisonnée ne soit occupée ailleurs, en gros, sinon à sa propre santé, à ses propres besoins. Voilà. Il allait jusqu'à dire à une de ses filles, Vanessa, la sœur de Virginia Woolf, si je suis triste, je veux qu'on soit triste. Si je suis content, je veux qu'on soit content. Voilà. Et il était, il a, après la mort de sa femme, développé, on va dire, des personnalités qu'on pourrait qualifier de quasi caractérielles, hein, tout en étant, par moment, ça lui prenait, extrêmement préoccupé de la vie de ses enfants, tout à fait généreux, ayant avec Virginia, sa fille, une relation extrêmement privilégiée, d'amour, bien sûr, tout à fait, c'était vraiment le cas, et il l'a ouverte, on pourrait dire, à la fois à la lecture et à l'écriture, puisque c'était la seule de ses enfants qui était autorisée à monter dans la bibliothèque de son père, hein, qui était autorisé à le déranger alors qu'il était en train de travailler et qu'il ne supportait pas le moindre parasitage sur ses travaux. Et elle était invitée à pénétrer dans l'antre paternel, à discuter avec lui. Il la prenait sur le canapé et puis ils lisaient ensemble. Et il lui a fait lire Edgar Poe, enfin, beaucoup, beaucoup d'auteurs qui ont fasciné Virginia Woolf enfant, bien évidemment. Voilà. Et il a encouragé ses premiers travaux d'écriture. Ça, c'est important parce qu'elle a pris appui. Voilà. Si on parle de point d'appui paternel, hein, il y a eu au niveau du rapport père-fille, là où quand même la mère avait disqualifié plus ou moins le mari, hein, son époux, il y avait quand même quelque chose où il a donné quelque chose à sa fille. C'était important parce qu'elle a trouvé là une donation, enfin quelque chose, une transmission, ce qui ne l'a pas empêché de déclarer que son père était un tâcheron. De l'écrire même dans son jour-là, le père était un tâcheron, voilà, moi je suis génial. Voilà. C'est-à-dire qu'elle, si vous voulez, par rapport au travail de son père, et par rapport au côté laborieux de son père, elle n'a jamais supporté finalement ses travaux de biographe atteignent sa famille à ce point-là. Et tu as jusqu'à, d'après elle, hein, bien sûr, tuer sa mère. Voilà. Donc ça, c'est quand même des points importants parce que, ça, c'est au niveau du père et au niveau de Julia Stephen. Elle a, comment dire, développé avec ses enfants un rapport, comment dire, de distance. C'était une mère présente, mais qui faisait faire les devoirs, etc. Mais très distante,
Elle était en fait décrite par Virginia Woolf comme une présence dans l'absence, tout le temps. C'est-à-dire présence-absence, hein, ça c'est important, puisque elle avait gardé finalement une espèce d'âge d'or intérieur qu'elle n'a jamais quitté. Hein. Donc elle accomplissait tout, si vous voulez, dans un semblant achevé, elle était complètement dans le semblant, en ayant par-devers elle, comment dire, un deuil non fait et un âge d'or, voilà, qui la tenait en quelque sorte, hein, qui la tenait, qui lui permettait de supporter finalement une réalité qu'elle avait quand même acceptée pour par devoir aussi pour ses enfants, voilà. Bon. Donc, vous voyez, c'est quand même une figure de femme assez double, assez intéressante d'ailleurs, qui a beaucoup compté dans l'enfance de Virginia, puisque le regard de sa mère, elle n'a cessé de le chercher, en quelque sorte. Mais un regard qui la voit, hein, c'est-à-dire qui la considère, hein, qui la cerne, si vous voulez. Un regard qui, où elle lui trouve l'éclat, l'éclat d'un désir sur l'enfant qu'elle était. Hein. Bon, ça, elle l'a trouvé du côté de son père. Elle ne l'a pas trouvé du côté de sa mère. Bon, voilà, elle a pu tenir quelque chose du côté paternel, en quelque sorte, hein. Voilà. C'est des repères, hein, extrêmement schématiques, vous me pardonnerez, je ne peux absolument pas m'étendre là-dessus. C'est passionnant, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, il y a d'excellentes biographies, dont celle d'Hermione Lee, qui vraiment est passionnante. Et puis la dernière, qui est sortie il y a 5-6 ans, de Vivienne Forrester, que je recommande également, qui amène des points qui jusqu'ici avaient été totalement passés sous silence par la plupart des biographes. Notamment dans la relation de Virginia Woolf avec son mari Léonard. Bon, voilà. Alors, donc je prends le moment où on est en 41, c'est la guerre, hein, et du coup, elle est coupée de ses amis, puisque chacun les visites sont plus rares, les gens ne se visitent plus comme du temps de l'avant-guerre, les journaux ne paraissent plus. Les livres ne paraissent plus, et il était très important pour elle qu'elle ait ce qu'elle appelait un écho par rapport à son œuvre. Voilà, et ça c'était vraiment fondamental, c'est-à-dire que quelque chose lui revienne de l'extérieur et l'étoffe, en quelque sorte, lui donne une consistance subjective, hein, qu'elle avait bien du mal à trouver autrement. Et là, elle est du coup déconnectée de sa famille. Elle est toujours avec Léonard, bien sûr, ils vivent toujours ensemble, mais il y a une vie sociale très très amoindrie qui l'atteint beaucoup, et une vie intellectuelle quasi inexistante, et surtout on ne parle plus d'elle, hein. Alors, il n'est plus question de son œuvre. Hein, voilà. Et donc en 41, en mars 41, c'est après des mois de gel sur la rivière, elle écrivait d'ailleurs, son bureau était face à la rivière, et elle décrit dans son journal les quelques semaines qui précèdent son suicide, qu'elle est fascinée par le reflet de la lumière sur la glace, hein, et que ça l'hypnotise littéralement, qu'elle est donc, vous voyez, comme attirée quand même par cette surface éblouissante, on va dire, et que quand l'eau dégèle, enfin voilà, il y a le dégel, donc, et c'est au moment du dégel qu'elle va accomplir cette ultime promenade et mettre fin à ses jours. Mon chéri, je vous lis la lettre qu'elle laissera donc à Léonard. Je suis en train de redevenir folle, j'en suis certaine, et cette fois je ne guérirai pas. Je commence à entendre des voix et je n'arrive pas à me concentrer. Alors, je fais ce qu'il me semble la meilleure chose à faire. Tu m'as donné le plus grand bonheur possible. Je ne peux plus lutter. Je sais que je gâche ta vie, que sans moi, tu pourras travailler. Tu vois, je n'arrive même pas à écrire cela convenablement. Je ne peux pas lire. Je ne peux pas lire et je ne peux plus écrire. Et les voix sont revenues. Les voix, hein, c'est-à-dire les voix qui la persécutent. Donc, son suicide, dès lors qu'elle sent et qu'elle constate qu'elle ne peut plus écrire, la situe d'emblée dans une dimension tragique. Sa lettre à Léonard, qui met l'accent sur son incapacité à se concentrer sur son travail d'écrivain, au point de ne même plus pouvoir se relire, exprime
de façon poignante l'aspect vital de la lettre pour elle, de l'écriture. La possibilité d'écrire, tant qu'elle existe, lui laisse la vie. Et écrire, en effet, fut pour Virginia Woolf une question de vie ou de mort. Elle avait fait de l'œuvre sa vie. Sa vie était l'écriture, et plus largement, les livres auxquels elle se consacrera jusqu'au bout, tant qu'elle pourra. Hein, et quand elle ne peut plus, elle se suicide. À quel ordre intérieur aura-t-elle répondu ce jour de mars 41? À quel impératif aura-t-elle obéi? Et au nom de quelle causalité inconsciente? Nous n'aurons bien sûr jamais de telles réponses. Aussi loin que l'on pousse l'investigation, aussi riches que puissent être les données subjectives, lettres, autobiographies, romans, et aussi pointues que puisse être leur analyse, rien n'autorise jamais à nommer la cause ultime d'un tel acte. Acte qui s'accomplit à la place justement d'une possibilité de nomination. J'insiste. Pourquoi j'insiste? Parce qu'il y a, hein, il y a eu des analyses de cet acte et des interprétations. Hein, ça existe, les biographes ne s'en sont pas privés, les psychanalystes non plus, c'est-à-dire si elle s'est suicidée, c'est que. Voilà. C'est-à-dire comme si on allait mettre la main sur la cause ultime. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que l'impossibilité d'écrire n'est pas sans rapport, hein, avec le retour des hallucinations, voilà, hein, puisqu'elle fait plus écran avec l'écriture, justement, à quelque chose du réel, hein, qui lui est insupportable, qui, quand on le touche, quand il revient de l'extérieur, est insupportable, hein, on ne peut pas le supporter, et que l'écriture, toute sa vie, à elle, avait mis à distance, hein, jusqu'à présent. Bon, c'est-à-dire que, en gros, dès qu'il y a la possibilité pour elle de faire fiction, hein, d'écrire une fiction, voilà, c'est-à-dire finalement de délester quelque chose de son corps, hein, vers l'écriture, c'est vraiment une entreprise, un itinéraire de délestage, si on peut dire, elle arrive à tenir, elle arrive à vivre. Hein. Alors, comment dire, il y a quelque chose, en effet, du deuil non fait, hein, de la mère qui a atteint la fille, hein, elle particulièrement, pas forcément les autres membres de la fratrie. Et encore, j'ai lu, il n'y a pas très longtemps, les rapports des psychologues et des psychiatres qui ont eu affaire à tous les enfants Stephen, en gros. Hein. La sœur Vanessa a été atteinte de dépression fréquemment. Adriane, un de ses frères, son plus jeune frère, est devenu psychanalyste. Tous les enfants, Laura, la fille de Stephen, était autiste et enfermée. On n'en parle jamais, mais c'est un personnage qui a beaucoup compté pour Virginia Woolf parce qu'elle hurlait dans la maison toute la journée, quasiment. Voilà. Et il a fallu l'écarter de la maison familiale, hein, puisque la mère, Julia Jackson, quand elle est arrivée, quand elle a accepté d'épouser Stephen, c'était quasiment à la condition que Laura dégage. C'est-à-dire qu'on la mette ailleurs, parce que c'était en effet extrêmement éprouvant. Bon. Donc, et Virginia Woolf a eu, ça c'est un point que j'amène, je pense qu'elle a eu, elle a mis un point d'honneur à ne surtout jamais être Laura, comme Laura. Laura c'était le nom, hein, de la fille de son père de premier mariage, qui était autiste et hurlante. Hein, voilà. Et dont son père avait honte. Donc il y a quelque chose là, hein, où pour elle c'était absolument insupportable. D'avoir affaire à cette étiquette de folle, hein, voilà, et c'était très douloureux. Bon, donc tant que la fiction dure, elle peut vivre. C'est aussi que dans cette possibilité d'écrire, hein, il y a ce qu'on appelle du nom du père, bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a de l'écriture, hein, comme si l'écriture était passée du père à la fille, d'accord, et que c'est bien sur cette base-là qu'elle prend appui. Bien évidemment. Même si, par ailleurs, elle critique son père elle est très ambivalente. Elle a un amour-haine pour ce père évident qu'elle a exprimé dans son journal, etc. Elle en tremble encore 30 ans après de haine envers son père quand elle pense à la façon dont son père convoquait ses enfants pour, après la mort de sa femme, pour vérifier les placards et hurler car il y avait eu des dépenses domestiques trop élevées pour l'achat du sucre ou de l'huile ou du beurre. Enfin bon,
Et c'était des séances hebdomadaires, hein, où les enfants étaient convoqués et il y avait, des scènes où ils se mettaient dans des états assez terribles. Bon, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le côté un petit peu caractériel du personnage, mais c'est vrai qu'il était insupportable. Enfin, tel que Virginia le décrit et tel que les biographes aussi l'ont décrit. Bon, mais ça veut dire que l'écriture est le moyen de dealer, j'ai pas d'autre terme, avec quelque chose du deuil non fait et de pouvoir virer. Mettre la pulsion de mort, hein, c'est-à-dire mettre l'aspect pulsionnel de côté, c'est-à-dire délester quelque chose de la pulsion, voilà, vers l'écriture, voilà, que l'écriture prend en charge quelque chose de la pulsion qui sinon, hein, pourrait tout à fait être mortifère. D'accord ? Je ne vais pas faire un cours de métapsychologie sur la pulsion et la mélancolie, c'est passionnant, enfin, c'est une question très importante, puisque à travers l'être perdu, on sait bon, qui on a perdu, hein. Le mélancolique le sait, mais il ne sait pas ce qui a été perdu avec l'être qui a été perdu. Voilà. On sait qui, mais on ne sait pas quoi. On sait qui a été perdu, mais on ne sait pas quoi a été perdu. Et d'où la fameuse phrase de Freud, hein, l'ombre de l'objet perdu retombe sur le moi. D'accord, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de violent et de, qui peut être assez persécutant du mort, hein, qui tout d'un coup vient hanter le fantôme, en tout cas le corps du sujet. Voilà. Bon, pourquoi ? Parce que cet autre, bien sûr, était du temps de son vivant investi par le sujet, hein, par Virginia Woolf, était investi. Dans l'image, était investi pulsionnellement, c'est-à-dire on avait sa voix en nous, on avait son odeur, on avait son image, on avait l'amour, on avait l'affect, hein. On est lié au vivant à un point parfois, à celui qui nous est proche, à un point parfois insoupçonnable. Hein. Et c'est quand on le perd, bien sûr, on ne peut pas le savoir avant, qu'on sait qui on a perdu, mais on ne sait pas les effets. Les effets sont absolument incalculables. Hein, voilà. Et dans la mélancolie, en effet, il y a le problème. Hein, il y a le problème qui se révèle à ce moment-là. On ne peut pas forcément en préjuger le temps d'avant, hein, on ne peut pas le savoir, mais qu'il y a le problème du deuil à accomplir et qui ne se fait pas. Voilà, hein. Et à la place, il y a les auto-accusations, je ne l'ai pas assez aimé. Le sujet va prendre en charge quelque chose du mort violemment. D'accord ? Bon. En ce qui concerne son père, hein, c'était très clair, elle s'est vraiment accusée par rapport à la haine qu'elle lui portait, justement. Hein. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est les éléments métapsychologiques qui sont vraiment importants, parce qu'en général, on a du mal à décoller de cela, hein, même avec la psychanalyse, c'est pas évident. Quand un mélancolique a recours à la cure analytique, bon, ben, ça aide, mais c'est pas non plus une garantie. Voilà. Et Virginia Woolf a, de manière extrêmement éprouvante, n'a jamais cédé, en fait, sauf, donc elle avait 59 ans, hein, quand elle s'est tuée, sauf en 41, quand elle n'a plus, du coup, pu écrire, mais elle a tenu, bon, je passe, elle a tenu, c'est-à-dire qu'elle décompensait, comme on dit, alors qu'elle abordait la fin de chacun de ses romans. Voilà. Quand le roman était sur le point de finir, les symptômes de la dépression s'annonçaient. Elle était en alerte, hein, Léonard aussi, parce qu'il la surveillait d'assez près. Et quand, c'est surtout, il y avait une décompensation effective quand le roman paraissait, devenait public, était en librairie. Bon. Quelque chose était du coup hors d'elle, elle n'était plus liée, elle était du coup coupée tout d'un coup de son livre, hein, c'est-à-dire que tout d'un coup il y avait un passage au public qui était très difficile à supporter pour elle, et c'est là où il y avait un moment de décompensation. Et ce moment de décompensation était franchi à chaque fois, hein, tour de force. Elle s'arrachait de cela, tout d'un coup son cerveau se remettait à fonctionner, comme elle dit. Ça y est, j'ai la sensation d'un moteur de Rolls dans la tête. Les idées affluent en masse et il fallait absolument qu'elle se remette à écrire. Voilà. Et vous voyez qu'elle était dans ce qu'on appelle la phase maniaque tout d'un coup, c'est-à-dire que hein, ça repartait, après la phase d'abattement, ça repartait, mais elle en faisait quelque chose. C'est-à-dire qu'elle arrivait à faire en sorte que l'état maniaque soit
sublimé. C'est-à-dire que quelque chose arrive à se mettre en mots, en fiction, en histoire. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça pousse à l'admiration. Enfin, c'est vrai que, sans m'extasier, je trouve que, comment dire, la force psychique qu'elle a trouvée, alors on peut, c'est exactement la même question que vous posiez, Marc, tout à l'heure, c'est-à-dire d'où vient, hein, pour un sujet donné, cette force psychique de s'arracher, hein, de s'arracher finalement à quoi ? De s'arracher, excusez-moi du terme, mais à cette espèce de maelstrom pulsionnel, bouillie pulsionnelle, vous voyez, parce que dans le retour des hallucinations, c'est ça, hein, la pulsion revient là. Et elle n'est pas du tout bordée, elle vient déborder le sujet, justement. Il y a l'édique saute et la pulsion n'est plus du tout canalisée. Voilà, il y a quelque chose qui explose et qui fait que voilà. Et alors, il y a un retour angoissant, bien sûr, à cet état du Dasding. On l'a un petit peu évoqué ce matin. Le Dasding, c'est un concept limite inventé par Freud. Pourquoi je dis limite ? Parce que quand on fait le tour du Dasding, en essayant de savoir ce que ça veut dire, c'est pas facile d'attraper réellement le concept freudien. C'est un concept un peu mythique, hein, puisque ça suppose, mais Freud le dit, hein, le Dasding, c'est un mythe, hein, voilà, pour pouvoir penser, comme le père primitif est un mythe pour pouvoir penser. Bon. Donc, le Dasding, c'est une tentative de décrire l'état psychique du sujet avant qu'il soit sujet, en gros. On se dit, ben, comment on fait, puisqu'il n'est pas encore sujet, mais pourtant, il est en prise avec de l'autre, hein, qui n'est pas encore de l'autre, justement. C'est-à-dire que le sujet fait corps avec le maternel, voilà. Et un maternel envahissant, bien sûr, un maternel poisseux, si je puis dire, un maternel non castré, un maternel engloutissant, voilà. Hein. Je veux dire, poisseux, c'est un mot faible. Un maternel engloutissant. Bon. Et du coup, comment dire, il y a au moment de la dépression, un moment où la fiction s'arrête, hein, finalement au moment où il y a, on pourrait dire que le nom du père n'est plus opérant, quelque chose saute, se décapitonne, on pourrait dire, eh bien il y a un retour, hein, il y a un retour à cet état dont il faut de nouveau s'extraire, vous voyez, c'est ça le tour de force de Virginia Woolf, c'est que elle va de nouveau s'extraire. Et qu'est-ce qui fait, alors c'est là où c'est très intéressant, je trouve, qu'est-ce qui fait finalement son levier ultime ? Imaginez qu'elle saute à la perche, parce que moi c'est l'image que j'ai, c'est-à-dire qu'elle prend son élan et elle franchit quelque chose d'extrêmement haut, héroïquement. Elle a été désignée par sa mère, inconsciemment. Il faut, là je vous renvoie aux travaux d'Anne Juranville, La femme et la mélancolie, qui est un, malheureusement on ne le trouve plus, mais c'est un livre extrêmement précieux, où Juranville démontre tout à fait que la mère de Virginia Woolf a mis Virginia Woolf particulièrement dans une désignation inconsciente héroïque. Hein. En gros, elle a promu sa fille, d'une certaine manière, plus intéressante, hein, comme dans un effet de miroir, que le garçon. En gros, j'ai dit qu'elle avait dévalorisé son mari, hein, et là, Julia Stéphane s'est mise en posture d'être celle qui vaut. Voilà, hein, d'accord ? Et ça, c'est tout à fait inconscient. Bon. Et du coup, dans la tête de Julia Stéphane, on peut imaginer que l'élection, hein, va se poser sur Virginia. Voilà, hein, elle la désigne. Et Virginia entend très très bien cette désignation. Okay ? Et du coup, se mettre en position héroïque. Alors, comment elle joue sa carte, Virginia Woolf, c'est qu'elle avait une obsession, c'est d'être géniale. Géniale. Et il fallait qu'on le lui dise. Et il fallait qu'on le lui répète. Et elle s'est entourée de femmes toute sa vie. Hein, c'est là où c'est très intéressant, parce que Virginia Woolf était, étiquetée comme homosexuelle. Elle était mariée, mais bon, elle avait des relations avec des femmes extrêmement proches, intimes, notamment une qui a beaucoup compté, c'était Vita Sackville-West, qui combinait plusieurs qualités pour Virginia, c'est-à-dire qu'elle était noble, elle avait un château, elle était belle, et elle était aussi, Vita Sackville-West, elle avait aussi une double vie où elle était mariée, mais elle avait aussi des fréquentations homosexuelles. Bon. Et
dans les échanges épistolaires, si on les recoupe à travers toutes ces femmes, et y compris avec sa sœur Vanessa, de laquelle elle était très 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 proche, il y a très très souvent le terme « bien sûr tu es génial, bien sûr tu es génial », voilà. Bon. Et ça c'était, très 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 important, c'est-à-dire que grâce à ça, ça tenait. Oui. C'est-à-dire que ça tenait, c'est-à-dire que là, tout d'un coup, elle pouvait, comme une désignation maternelle, se mettre à valoir quelque chose et à pouvoir s'appuyer sur, finalement, sur cette identification imaginaire, hein, mais qui reprenait aussi quelque chose d'une transmission du père, puisque le père l'avait surnommé Ginia. Ginia, genius. Hein. On avait du genius qui traînait un petit peu des deux côtés, si je puis dire. Hein, bon. Du côté maternel, il y a des ascendants illustres, puisque l'un des arrière-grands-parents maternels de Julia Stephen avait été le page de Marie-Antoinette. Bon, ça remonte. Alors, et très très idéalisé pour Virginia, puisque il y avait une noblesse perdue du côté de la mère, hein. C'est très clair, il y avait une noblesse perdue, voilà, qui s'était perdue du fait de l'histoire, et une déchéance dont Julia Stephen souffrait, report les grands hommes, d'accord. On voit que là ça rebascule du côté des grands hommes, mais du coup ça flèche le désir maternel quand même, hein. Ça vient finalement orienter quelque chose de la valeur et finalement de quelque chose qui fait que cette mère n'est pas toute du côté du deuil, non fait. Hein. Elle a aussi un rêve. Elle a aussi, du coup, quelque chose qui la fascine, hein, et que Virginia repère, en gros. Quelle est cette énigme du désir maternel? C'est fondamental, hein, puisque Virginia Woolf va être, un roman qui est très intéressant, où elle met en scène la jeune Lily Briscoe. Lily Briscoe, c'est... elle fait partie du roman familial puisque c'est quasiment la sœur de Virginia Woolf. Lily Briscoe est peintre, Vanessa Bell était peintre, elle va se marier, elle va s'appeler Belle après, et Vanessa alias Lily Briscoe dans La promenade au phare, et sans arrêt auprès de Mrs. Ramsay, qui est tout à fait inspirée de la mère de Virginia Woolf, personnage décrit comme altière, inaccessible, planant au-dessus de la maisonnée, etc., et qui fascine littéralement Lily Briscoe. Lily Briscoe qui est toujours au pied de cette femme, à parler avec elle, et on voit, il y a des très très belles descriptions où elle dit « Mais que lui était-il arrivé à cette femme? Qu'avait-elle vécu dans sa jeunesse? Qui donc était mort? Qui la fixe à cet âge d'or pour toujours ?» Virginia Woolf écrit ça. C'est quand même... Enfin, étonnant, parce qu'elle écrit exactement, enfin si vous voulez, ça lui échappe pas, hein, que quelque chose de sa mère est de ce côté-là, voilà, pour toujours. Mais il y a ce fléchage de l'autre côté, hein, qui va indiquer que, à travers le désir de Julia Stephen, quelque chose finalement de plus intéressant que le mort, que Herbert Duxworth va se mettre à fonctionner, d'accord. Et d'ailleurs, ça fonctionne tellement bien, puisque c'est sur fond d'idéalisation des grands hommes que le pauvre biographe, le mari, va être dévalorisé par Julia Stephen, oui. Parce qu'elle épouse ce grand homme, mais, à l'épreuve, il s'avère être génial, plaintif, demandeur tout le temps, pas à la hauteur. Quelque part pas à la hauteur, voilà. Et en effet, Virginia n'est pas sans repérer que quelque chose vaut plus que son père, hein, que son père vaut plus, voilà. Et je pense que ça, structurellement, c'est un point d'appui. On peut dire que c'est un point d'appui qui la met du côté de devoir réaliser, finalement, hein, cet idéal maternel. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Bon, elle a ce point d'appui-là, avec les instruments du père, avec l'écriture, avec de l'écriture qui a été transmise par le père, d'accord. Donc on voit bien que là quelque chose fonctionne, arrive à fonctionner d'une articulation, hein, voilà, articuler le réel, symbolique et imaginaire, voilà, on peut dire ça comme ça. Bon, alors on peut dire que révolutionnaire à sa façon, extravagante, géniale, hein, elle forge son œuvre à bras le corps,
une œuvre qui l'exalte et la menace d'effondrement à chaque pas. Les connotations, hein, c'est les lations maniaques, c'est la phase maniaque, etc. etc. Voilà. Le puissant bonheur d'écrire qui la pousse, c'est une réelle jouissance, ça allie complètement, hein, est aussi son risque le plus grand. Une mise en danger psychique qui, quand elle s'actualise, retentit dans tout son corps et la dévore d'angoisse à chaque fois, jusqu'à menacer de la battre physiquement. Et chaque fois, cette même écriture qui va l'effondrer, enfin qui l'exalte et l'effondre, la fait renaître de ses cendres, comme si la lettre en elle était douée du pouvoir paradoxal de faire vivre et de faire mourir. Voilà. Donc, elle avait, bien sûr qu'elle avait entendu parler de la psychanalyse, puisque elle était, et pour cause, puisque elle avait fondé la Hogarth Press avec Leonard Woolf en 1933, pour devenir éditeur. Hein. Et ils éditent, ce sont les premiers à éditer les œuvres de Freud en Angleterre. Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intriguée. C'est que je me demandais si elle avait lu ou pas Freud. Et elle a rencontré Freud en 1939. Hein, et Freud, d'ailleurs, lui a offert un Narcisse, ce qui est un détail un peu piquant, puisque on disait aussi que Virginia Woolf était très narcissique, qu'elle se servait de personnages qui lui ressemblaient pour écrire ses livres, ou des personnages familiaux, etc. etc. Mais voilà, bon, je pense qu'il faut revenir là-dessus. Bon, ça se discute, le narcissisme de Virginia Woolf, parce que c'est très particulier. Hein, c'est un narcissisme du côté de la mélancolie, c'est-à-dire du côté de quelqu'un qui n'a pas d'image, hein, justement. Voilà. Et c'est là où il faut se méfier des mots vite dits, c'est que c'est un narcissisme qui réclame tout le temps du reflet, hein, tout le temps du reflet, mais pour avoir une image. Et c'est pas du tout un narcissisme où le sujet se reflète dedans, hein, d'accord ? Comme on pourrait dire, il s'aime. Non, c'est un narcissisme particulier, hein, où le sujet ne se reconnaît pas, justement. Parce que si on reprend le mythe de Narcisse, on vit de dire, Narcisse, en effet, tombe amoureux de son image. Mais s'il plonge, hein, si on réfléchit bien au mythe, justement, ce qui en fait pour moi tout l'intérêt, c'est pas de dire que Narcisse tombe amoureux de son image, c'est de dire que si Narcisse a besoin de plonger, on peut se poser la question de savoir pourquoi il a besoin de plonger. Pourquoi il se contente pas d'aller se mirer tous les jours devant la rivière et de dire « Oh, qu'est-ce que je suis beau, je m'aime !» D'accord ? Non, s'il plonge, c'est qu'il se reconnaît pas. Justement. C'est qu'il y a un défaut d'identification, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et où il faut aller au-delà. Parce que ce qui apparaît dans l'image, dans le reflet de la rivière, c'est pas son double réflexif. Non, non, non. C'est un autre. D'accord ? Qu'il faut rejoindre un autre. Vous voyez bien que là, on n'est pas tout à fait du côté d'un reflet total. Non, on est du côté de quelque chose qui n'est pas uniquement du côté du réflexif, mais qui est beaucoup plus étrange. Hein, beaucoup plus étrange. Puisqu'il faut plonger pour aller rejoindre l'autre dont on vient de tomber amoureux. Mais comme si l'autre était, si vous voulez, pas soi. Vous avez bien compris. Hein, c'est de l'autre. D'accord ? Donc c'est ça, je trouve très, très intéressant le mythe de Narcisse, mais il faut vraiment le retravailler pour moi. C'est à travers Virginia Woolf que je me suis posé la question, pourquoi elle a besoin de... Et bon, c'est quand même important. Hein. Et vous remarquerez bien d'ailleurs que Narcisse va se jeter dans l'eau, pas n'importe quel moment, c'est quand il perd Écho. Hein. C'est quand la nymphe Écho, qui avait toujours répondu présente à ses appels, n'y est pas. Il perd, Écho ne répond plus. Voilà. Et Écho ne répond plus, hein, ça vous rappelle aussi le moment où, en 41, plus d'Écho. Et elle le note, hein, dans son journal, tel quel, plus d'Écho. Voilà. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, de l'autre, ne répond plus. En termes de petit autre, bien évidemment. Ça ne tient plus. Voilà. Alors là, je prends plaisir, comme ça, rapidement, à vous citer. Elle voulait pas du tout être analysée. Non, c'était pas son truc. Elle reconnaissait les effets de la psychanalyse, mais pour elle, voilà ce qu'elle en dit. Là, je cite Hermione Lee. Et Hermione Lee cite Fiction freudienne. Hein, ça s'appelle comme ça. C'est un texte que Virginia Woolf a écrit en 1920. Un patient qui n'a jamais entendu chanter un canari, sans être terrassé par une crise, peut maintenant se promener parmi les cages sans la moindre émotion, depuis qu'il a admis le fait que sa mère l'embrassait dans son berceau. Les triomphes de la science sont superbement positifs.
Là, elle se moque, hein, bien sûr, de la psychanalyse. Hein. Un patient qui n'a jamais entendu chanter un canari sans être terrassé par une crise peut maintenant se promener parmi les cages sans la moindre émotion depuis qu'il a admis le fait que sa mère l'embrasse en entre personnes. En gros, vous avez compris qu'il n'y a aucun rapport entre la choucroute, hein, c'est, voilà, et qu'elle le fait exprès, hein, parce qu'elle avait quand même un humour décapant, hein, un humour ravageant, d'accord, une ironie extrême. Alors, quand cette science s'applique aux œuvres de fiction, tous les personnages deviennent des cas, dit-elle, et la psychanalyse simplifie au lieu de compliquer, diminue au lieu d'enrichir. Voilà. Il est intéressant au passage, hein, de voir que la méfiance de Virginia Woolf envers la psychanalyse s'appuie sur une critique explicite du positivisme scientifique, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que une fois qu'on a compris ça, alors il va se passer ça. D'accord ? Comme si c'était déterminé. Bon. Il suffirait de dévoiler les causes pour guérir, bref, etc. Bon. Alors, d'un autre côté, la critique de Virginia Woolf en tant qu'écrivain peut renvoyer à la crainte qui s'exprime parfois dans les cures, crainte que certains patients qui ont une activité artistique projettent sur l'analyse, en imaginant que le dévoilement des causes inconscientes de leur souffrance risquerait de dévitaliser le nerf même qui leur permet de créer. Nerf dont la douleur qu'ils en éprouvent est fantasmée, ou serait fantasmée, comme l'aiguillon qui les pousse à faire œuvre. Tel le poinçon qui signe du même coup dans leur chair leur être même de créateur. Enfin, d'accord ? Vous avez compris ? Là, c'est, voilà. Si je m'arrête de souffrir, hein, je ne pourrai plus créer. Bon. Mais on n'est pas ce qu'on écrit, justement. Alors, si l'écriture faisait vivre Virginia Woolf, elle n'assurait pas pour autant l'essence de son être d'artiste, ou de génie, ni même de mélancolique. Créer ne se conserve pas dans la saumure d'un quelconque sacré, ni ne se dissout dans l'analyse. Quoi qu'on en dise, l'inconscient domine la scène, voilà, et la crainte de dévitaliser le principe créateur à force d'analyse, qui situe le savoir en position de toute puissance, du coup, hein, participe du fantasme d'un tout dire, comme si on pouvait tout dire, d'une position de maîtrise de l'inconscient, celle-là même que l'on peut parfois reprocher à la lecture analytique. Voilà. Alors, bon, je passe, parce que là, je voudrais juste vous dire un mot, voilà, sur ces chocs qui rejoignent ce que Stéphane Dugosson a dit tout à l'heure. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai noté ça. C'est le souci d'unification qui fait apparaître des paramètres inattendus. C'est ce que vous avez amené, Stéphane, tout à l'heure. Et là, il se trouve que le chapitre s'appelle « Écrire pour faire un tout ». Enfant, elle fait l'épreuve de ce qu'elle nomme des chocs, où la réalité la plus familière est perçue avec cette touche d'inquiétante étrangeté dont parlait Freud. Ces chocs ressentis durant son enfance, les chocs, elle les appelait aussi « instant of being », moment d'être. Moment de vie aussi intense qu'intraduisible, restèrent pour elle d'inoubliables souvenirs, empreintes indélébiles qu'elle a besoin de transformer en texte et ainsi, je la cite, de leur faire perdre, dit-elle, leur pouvoir de blesser, en les rendant entiers. C'est très intéressant ça, parce que ce sont des chocs, justement, qui étaient vécus comme blessants. Hein, comme si quelque chose se produisait là, donc de très très angoissant. Alors, son écriture se justifie de cette nécessité, car il y trouve la révélation d'un ordre, à travers ces instants d'être. Vous voyez, j'aime ce terme des révélations d'un ordre, est intéressant, puisque comme si tout d'un coup on pouvait rapprocher ça d'un, je dirais, d'une lucidité, d'un contact avec la structure, hein, d'accord, de quelque chose qui tout d'un coup lui apparaît. Il y eut, je la cite, le moment de la flaque sur le chemin, sans que je puisse en découvrir la raison, tout est devenu soudain irréel, une flaque. J'étais suspendue, je ne pouvais franchir la flaque. J'ai essayé de toucher quelque chose, le monde est devenu irréel. Alors, ça c'est un passage qu'elle rapporte qui est très important. Parce que dans cette flaque, pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a cette flaque ? Elle est sombre, elle est boueuse. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun reflet dessus, justement. Il n'y a aucun éclat. Et face à ce trou, elle ne se peut pas se refléter. Quelque chose va manquer. Et c'est un instant de vie qui la marque complètement. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire là ? Elle va inventer un personnage dans les vagues, The Waves, qui s'appelle Rhoda. Et voilà ce qu'elle va prêter à Rhoda. Rhoda, donc ce personnage, qui reprend exactement l'expérience d'enfance de Virginia Woolf.
Voici la flaque, dit Roda, et je ne peux la franchir. J'entends arriver à toute vitesse la grande meule, à 1 centimètre de ma tête. Le vent qu'elle fait me rugit au visage. Toutes les formes de vie tangibles m'ont fait défaut. Si je ne peux pas tendre la main et toucher quelque chose de dur, je serai emporté pour toujours dans les couloirs éternels. Que puis-je donc toucher? Quelle brique? Quelle pierre? Et ainsi me faire franchir ce gouffre énorme pour rejoindre mon corps sans danger. Formidable. Qu'elle puisse prêter à Roda ce qui lui arrive subjectivement dans son enfance, c'est tout à fait formidable. C'est-à-dire que c'est comme ça où on entend qu'elle est capable par instant de déplier presque structurellement ce qui arrive à un sujet confronté à ce genre de rencontre. C'est-à-dire confronté à un moment de réel. Voilà, où il y a un trou. Cette flaque, c'est du trou. Voilà, à partir de ce trou, vous avez compris, elle fait une fiction. Et dans cette fiction, elle arrive à faire dire au personnage ce qui se produit subjectivement au moment de cette rencontre. Voilà. C'est là où je dis chapeau. Et c'est là où je dis qu'il y a quelque chose de génial, en effet, dans cette façon d'aborder l'écriture et d'inventer un personnage. Voilà. Donc là, on apprend quelque chose, du coup. Voilà. On a à apprendre de Virginia Woolf. Alors, c'est sur cet instant de vie impossible à expliquer pour elle qu'elle fonde l'acte d'écrire. Alors, si on prête attention à la reprise de l'événement réel de l'enfance, à la transposition plus tard qui devient l'expérience de Roda, donc le personnage, on remarque qu'à l'irréalité du monde qui frappait Virginia enfant, s'ajoute pour Roda la dimension de la perte du corps. Comme si de pouvoir prêter au personnage le souvenir d'enfance permettait à Virginia Woolf de déplier et de préciser l'enjeu inconscient de la rencontre en question. C'est ce que je viens de vous dire autrement dit. Cette flaque d'eau sur le chemin déclenche la sensation d'irréalité qui frappe l'enfant dès lors qu'elle porte son regard sur la surface liquide et sombre où son corps ne peut plus se refléter. L'eau boueuse, au lieu de renvoyer l'image, de border pour le sujet le contour de son corps, l'aspire, voilà ce qui se passe, à la façon d'un œil sans éclat, donc sans regard, dans lequel sombre le sujet comme dans un puits sans fond. Ça s'enfonce. Ça reprend exactement ce qu'elle disait. Je m'enfonce, je m'enfonce, je m'enfonce. Elle a tout un moment dans son journal où elle dit « je m'enfonce, j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire autrement que de m'enfoncer, que jamais ça ne peut pas s'arrêter, qu'il faut toujours que je plonge plus bas. Mon Dieu, je suis née mélancolique, je suis mélancolique. » Voilà, c'est ce qu'elle le dit d'elle-même. Hein. Donc, confrontée à ce vacillement, à cet extrême où son être bascule dans une sorte de néant, elle fera de cette expérience quelque chose. Comme si, de ce néant, elle accouchait d'un corps de fiction, ici Roda, autre auquel elle donne forme, vous voyez, hein, auquel l'écrivain donne forme, à l'endroit même où son propre corps avait été menacé de disparaître, avalé par la flaque d'enfance. Comme si créer le personnage, ouais, vous voyez, ça illustre bien, je pense, cette histoire, que la fiction fait un pont pour elle. Hein, comme si créer le personnage lui permettait d'établir une continuité avec elle-même, hein, là où tout appui subjectif venait à manquer, sorte de pont qui permet de franchir la flaque et de rejoindre son corps sans danger. Merci beaucoup. Est-ce que vous voudriez, il y a des questions qui vous viennent par rapport à cette intervention large et précise finalement d'Isabelle, puisque c'est à partir de la mélancolie une traversée du réel, enfin c'est comme ça que je l'ai entendu, représentée, figurée par une flaque, par cette flaque d'eau. Hein, comment soit on reste sur le bord et on s'engouffre dans la mélancolie ou dans la dépression, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, de gens actuellement, parce qu'on n'est pas tous brillants, on n'a pas tous brillants, un talent pour écrire, ce qui fait symptôme, comme bien dit sûr. Lacan, c'est pas n'importe qui peut le mettre en œuvre. Voilà. Hein, alors ça, on ne sait pas, cette structure psychique, ce qui fait que l'un va y aller et l'autre voilà, non. Voilà. Hein, ça c'est une question aussi, d'où vient cette force J'ai essayé d'en dire poser, un mot voilà. avec l'articulation que les parents. Voilà, bon, t'as essayé. C'est une hypothèse. C'est, hein, c'est la même question que l'acte créatif. Voilà. On ne sait pas ce qui cause, dont Étienne Klein et Stéphane ont parlé tout à l'heure. Ce qui est très intriguant, c'est quand même, pour moi en tout cas, c'est. Elle parle de choc, et
que suscitent ces moments d'être, oui. Les moments d'être. Oui, 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 oui. Et alors, donc là, c'est comme si ces moments d'être, enfin, si ces moments d'être sont non pas des portes ouvertes sur la vie, mais des chocs qui peuvent blesser, qui peuvent... Oui, alors, mais c'est ça, en fait. Donc, je pense que c'est lié à ce que vous disiez sur... par rapport avec sa mère. Oui. C'est faire le tout. Si elle veut vivre, oui. Elle va tuer quelqu'un d'autre, donc en fait elle va mourir, donc vivre c'est mourir. Quoi. C'est ça, parce que c'est ce que tu disais aussi en lisant quelque chose tout à l'heure. Sa lettre, où il dit quand même. Qu'il ne peut pas vivre. Oui, c'est comme ça. Beaucoup de personnes qui font des tentatives ou des suicides. Je me tue pour que tu puisses vivre. Pour ne plus. Parce que pour que tu ne supportes plus ce que je suis. C'est ça. Il veut toujours dans une culpabilité extrême. Débarrasser l'autre de ça. De ne pas être l'autre suffisamment. Débarrasser l'autre de cette étrangeté que leur minimum d'humanité constitue. Exactement. Aussi. Mmh. Oui. Donc c'est ça qui est tragique. Terriblement. C'est tragique. Elle a bien dû. C'est tragique. Elle a découvert des choses dans ce moment-là. Oui, absolument. Puisque. Si tu veux, je suis partie de ta phrase, en fait, parce que c'est grâce à ça qu'elle elle dit « j'écris pour faire un tout ». Et ça, ça fait perdre au choc leur pouvoir de me blesser. À partir du moment où je suis dans ce mouvement de création du personnage que vous essayez de décrire, elle n'est plus blessée. Oui, c'est à ce moment-là. Mais en fait, c'est faire le tout là où, finalement, c'est elle qui devient active. Parce que, je ne peux pas en citer, mais des moments de choc, il y en a pas mal, mais ils ont tous la même caractéristique. Ça, là-bas. Elle est impuissante. Elle est prise dans quelque chose qui est le gouffre. Hein. C'est le retour de Dasdin. Elle est prise dans cette affaire de gouffre où elle est complètement néantisée. Elle est néantisée, voilà. Et là où ça la sauve, c'est qu'elle reprend... On se demande comment, hein, évidemment. Elle a un sursaut d'activité où elle reprend une position active, là où elle était complètement passivée, complètement néantisée, et où elle se charge de faire ce tout. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle-même va chercher à lier tel point à tel autre. Enfin voilà, c'est tout à fait génial parce qu'elle part elle part d'un point, par exemple, elle prend un personnage féminin, le jaune des dents. Voilà. Le rose du chapeau, la texture, la peau grumeleuse, la peau d'orange. Elle prend un point et c'est à partir de ce point-là extrait. Vous voyez, c'est vraiment le rapport à l'autre qui est d'une. Comme si elle allait comme un oiseau qui vient piquer, vous voyez, quelque chose du corps de l'autre directement et à partir de ce point, elle fait un personnage. C'est étonnant. Elle recompose le tout. Voilà. Mais à partir d'un. Justement, son génie. L'écrivain fait que Michel a porté cette mélancolie au point de penser qu'elle l'a créée. C'est vrai que c'est intéressant. Oui, du coup, sans la mélancolie, elle ne peut pas écrire. Oui, c'est ça qu'elle dit. Elle dit d'ailleurs qu'elle dit que sa capacité à subir ces chocs, à pouvoir les supporter, fait d'elle un écrivain. C'est ce qui fait de moi un écrivain. Thank you.